Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 34 de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok, évidemment. Comme d'habitude, 4K 60 FPS, un petit truc à boire et à manger. On se retrouve une bonne demi-heure ensemble. Et installez-vous confortablement. C'est parti pour la suite de notre folle aventure, évidemment. Direction la quête principale. Déguisé. Il s'appelait Rimtur. M'a simplement souri. Et comme tu l'as dit, chuchoté alors. Les As avaient tué son père. Et il avait besoin de savoir qu'un jour, il brûlerait pour cela. Je lui ai fait remarquer que, techniquement, j'étais moi-même devenue une As. Il m'a adressé un petit regard sceptique avant de poursuivre. Ça suffit, nous terminerons plus tard. Ok. Ok. Alors, je comprends pas là. Ah, j'ai compris. Très bien, j'ai parfaitement compris. Il faut l'avoir par derrière, si je peux me permettre. Ok, ok. Voilà. Et ça, ça régale en plus, hein, niveau stuff. Hein. Attends, bougez les gars, s'il vous plaît. Ok. Il y a un truc que je voulais aller vérifier aussi. C'était sous l'endroit où on pouvait se TP acier nain. Madame, métal, alors, j'ai des questions sur les quelques plantes que nous avons vues. Mais alors oui. Regarde-les pour toi. Je n'ai pas l'intention de t'apprendre tout ce que je sais de venir. Oh, je ne faisais que demander. Et on t'a répondu. Je te demande pardon. Ok. J'ai vu un truc qui m'a fait poser quelques questions. Regardez, on voit tous les royaumes là à chaque fois. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est trop 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 stylé. Et c'était derrière que j'avais bien vu ça. Bien, Freya, si tu veux bien finir ton histoire. Comment Rimtur comptait-il se venger des As pour le meurtre de son père? Était-ce en rapport avec le mur d'Asgard? Oui. Attendez, j'ai entendu comme une grosse créature. C'était là, les amis. Nickel, c'est rien. C'était là. Il y avait là aussi. Étrange. Je n'avais jamais vu ce bâtiment. Oui, étrange, tu l'as dit. Allons voir de plus près. Putain, mais qu'est-ce que c'est là-dedans, là? Ça, je sais pas avec quoi je peux... Peut-être on aura des gants incroyables ou un délire comme ça. Ok. Ok. La vache. Ah oui, toi, tu viens, tu mets une patate directe. Pas de soucis, les gars, je comprends. Oh, allez, dégagez. Sur ta gauche. Ok, très bien. Superbe. Un instant. Ce bouclier bloquant l'entrée est exactement le même que celui de la statue de Tyr. Et on pourra monter là. Un autre morceau de la statue de Tyr expulsé à travers le lac. Venu s'encastrer dans ce bâtiment, semble-t-il. Tout cela devait être caché sous la glace jusqu'à ce que ce bouclier vienne la briser. Oh putain, il y a encore un bail. Allez. Ok, il y a encore un bail. Très bien. Très très bien. Oh putain. Enfin non, je suis content en vrai, mais ça va swinguer. Hein. Ah, y a rien là. Tiens. Encore what? Là, y a rien là non plus là. Tiens. Y a sûrement aussi quelque chose. Ok, il faut donc rentrer dedans. Bon, les amis, c'est parti. Let's go. Je sais pas où ça va nous mener tout ça,
mais sûrement dans de bien belles choses, à mon humble avis. Ok. Bon, déjà, on a la hauteur. Ok, il y a un autre... très bien, ça. Superbe. Parfait. Procédons ainsi. Parfait. Superbe, et de deux. Oh putain, c'est quoi ça là-haut, les gars? C'est quoi ça tout là-haut, là? Il y a un bail. Attends. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc tout là-haut, là. Ok. Déjà, ça en prend. Je suis trop content, les gars. On déverrouille trop de choses, là. C'est incroyable. Os pétrifié, superbe. Ça, on y va. Ah. 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 Ok. Je suis beaucoup trop chaud. J'ai tenté en 4 bluffs, mais ça a marché. Ok. Ok, ok. Et ça. Regarde, là-bas. Ah ouais, je vois un bichette. Hein. Je vois, mais il y a beaucoup de choses là, c'est très bizarre. Ok. Et là, ça mène où ce merdier là? Ah, vous croyez qu'avec le bouclier? J'ai compris, avec le bouclier, on va faire tomber le... Non? Je vois ça comme ça. Ok. Très bien. Yes. Bien joué. Nous n'avons plus qu'à ouvrir la porte. Bah explique-moi, hein, Bibiche, hein, parce que là... Là, je l'ai pas, hein. Là, je ne l'ai pas. On n'a plus qu'à ouvrir la porte. Comment ça? Comment ça, mon frère? Et là, qu'est-ce qu'on a dit? What? Mais j'ai loupé un truc là, c'est pas possible. Arrêtez les chiens, je vous en supplie. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Les flèches sigillaires n'auront aucun effet. Ah ouais. Comment ça, tu ne touches pas là? Là, je... On va réessayer de monter là-haut parce que là, j'avoue, je l'ai pas. Et là, il y a un bail ou quoi? Oh, c'est de la réflexion, ils sont beaucoup trop forts. Ok. Alors, comment ça se passe, mon frérot? J'ai pas vu un trou, hein, que je mettais. Là, il y a un bail, mais... Qu'est-ce que c'est? Là, j'ai pas vu un... problème, les amis. Je sais que c'est forcément une solution presque simple, à mon humble avis. Mais quand même.
l'écran. C'est la PS5 qui a chaud là, j'ai l'impression que c'est pas très fluide. Bizarre. Possible. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les flèches sigillaires n'auront aucun effet. Ouais. J'ai bien compris ça, frérot, mais c'est très embêtant là ce qui se passe. Mais est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a un monde où on peut grimper quand même Ça, je l'ai pas, hein. Ça, je ne l'ai pas. Putain, les potes, c'est... Je suis très frustré, là. Elle a dit maintenant. Oh là là. Oh là 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 là. Ok. Beau travail. Allez. Vraiment? C'était si con. C'était si con. Pierre a aiguisé. Bah ouais. J'ai bien peur que mes flèches ne puissent traverser les murs. Oh non. Cet abruti était pas parti. Elle était pas passée. Je suis Keblo. Les amis? Peux-tu ouvrir la porte d'où tu es? Oh là là, les amis! Ah! C'est bon, j'ai peur. Waouh! J'ai eu trop peur. Oh, elle a pas fait d'effort, hein. Ça pourrait-il être un trésor abandonné? C'est bien possible. Le cimier de la famille de Sigrun endurait une porte de chantant. La clé que nous avons trouvée dans le royaume de Sigrun. Tu penses qu'elle mourrait? Pas tant qu'elle est brisée en deux. Alors cherchons l'autre moitié. Wouah, j'ai eu trop peur, le chat, c'est dingue. Allez, encore une pomme, let's go. Oh, c'était tendu. Ok. Allez, une quête secondaire, what? Mais qu'est-ce que c'est? Bah alors? Il me manque un truc pour faire cette quête, c'est ça? I suppose. Il me manque un truc pour faire cette quête, c'est ça, les gars? Qu'est-ce qui peut bien me manquer? Parle-moi, Freya. Elle veut pas me parler. Qu'est-ce qui peut bien manquer? Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce qui peut bien manquer? Les amis, je pensais que la mort m'avait guéri de mon appétit, mais... Depuis que j'ai senti le rampe de tir, ça m'obsède. Il a suscité chez moi quelques envies culinaires. Boudin noir, panse de brebis, navets... De la bouillie et du miel. Et toi, mon frère? Pour quel aliment pré-film Belvedere serais-tu prêt à tuer? Les olives. C'est quoi ça, une olive? Ok. Bon, là, il n'y a plus rien à faire, ça sert à rien. Ah, si. J'ai été de mauvaise foi, les gars. Si on peut pas venir en traîneau, c'est qu'il y a des dingueries ici. Let's go. Non mais c'est quoi ce lac, frère? Déjà qu'il était grand avant, mais là, ça s'arrête jamais. Ok. Oh, j'aurais dû m'arrêter un marchand. Oh, ça va être les problèmes bientôt, les gars.
Ah, ok. Accès mystique, pas du tout en fait. Aucun problème. Français. Pas du tout, aucun putain de problème en fait. Très bien. Très très bien. On continue. Bon, il me manque quelque chose, ça me chagrine un peu. Ça me chagrine même beaucoup. Qu'est-ce qui peut bien manquer? Qu'est-ce que je n'ai pas fait, les amis? On a une clé? Je vois pas ce que j'ai pas fait. Bien, Freya, si tu veux bien finir ton histoire. Comment Rimtur comptait-il se venger des As pour le meurtre de son père? Était-ce en rapport avec le mur d'Asgard? Oui. Il m'a dit avoir laissé une faille dans la structure du mur, derrière la tour du royaume d'Asgard. Je le savais! Comment peut-on l'exploiter? On ne peut pas. D'après lui, seul Surt saurait quoi en faire. Et si Surt est en route vers le mur... Alors le Ragnarok est en marche. Oh, misère. J'espérais qu'il nous aurait donné une autre option. Allez, on va récupérer ce qu'on a pu laisser derrière. Parce que j'ai l'impression qu'on laisse toujours des dingueries. Et on va se racheter, évidemment, notre pierre de résurrection supérieure. Qui commence, mine de rien, à coûter assez cher, en vrai. Y avait-il autre chose? Et là, qu'est-ce qu'on a là-haut, là? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ce qui me semble pas qu'on vient de là. Quoique... on pouvait venir de là. Ok... non, c'est bon. C'est bon, les gars. Pourquoi bailles-tu? Par habitude, j'imagine, puisque je ne dors plus. Cela dit, que je sois le plus fatigué et des plus déroutants. Je t'ai vu rester éveillé des jours durant sans même avoir les paupières lourdes. Okay. Sans la moindre sieste. Les dieux ne dorment pas. Oh, va dire ça à tort. Ah! Parfait. Oh là là, il en reste un. Il est où, wesh? Ok, comment là-haut, c'est ça? Ok, très bien. Superbe. Yes, je l'ai. Ok. Les amis, tout ça, c'est les anciens lieux de God of War 1. Ok, ça on prend. Superbe, un peu d'argent pour les braves. Et surtout, une nouvelle corne. À mon avis, c'est incroyable ce qu'on trouve dans cet épisode. Allez, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ça, c'est que du bonheur, hein, je vous le dis. Et si nous repartions en quête des normes? Où se trouve le traîneau? Putain, on a fait trop de choses, c'est fou. Mais il reste une quête quand même assez terrible. Il reste une quête assez terrible. La voie, c'est pour les Nornes. Explorer le sanctuaire elfique. Est-ce que c'est là où on est? C'est entretenu. Peut-être y trouverons-nous le creuset. Les lacs des Neufs, la malédiction. Ouvrez la porte du trésor. Vas-y, hein. Bah les couilles, hein. Je vais vous la trouver, moi, hein. J'en ai rien à foutre. Ah. Je pense que ça va m'emmener au bon endroit, super. Au cours de mes voyages, j'ai entendu parler d'une grande bataille livrée sur ta terre, en un lieu appelé les Portes de Feu. Les Portes Chaudes. Tu y étais? Non. Est-ce du regret que j'entends? J'ai longtemps regretté de ne pas y être mort. Plus c'est maintenant. Notre quête. Est-ce que c'est notre quête, les potes? Je crois que c'est notre quête. Donc moi, il faut que j'aille à l'autre. Il faut que j'aille à celui à 400 mètres, je pense. Ok. 280.
Il y a donc bel et bien quelque chose à faire ici, normalement. Putain, ok, j'ai trouvé, les gars. Oh, j'ai trouvé avec la chaîne. Je l'avais pas vu au début. Super. On va y avoir des dingues, les gars. Oh là là. Oh là là, mais c'est fou tout ce qu'on vit, là. Je veux bien explorer cet endroit, mais que ce soit clair, c'est en bas que nous trouverons les normes. Ok. Quel est cet avant-poste? J'ai appris de nouvelles formes. Un symbole de Fjotorlund, Mimi. Perde. Une autre grue. Ok. 90 mètres. Reste pas là. Ok, c'est bon, excusez-moi, je me suis un petit peu emballé. Ça s'arrêtait plus, super. Un autre troll endormi, un petit cadeau des nains. Ok, ça c'est fait. Let's go pour la suite. Oh, c'est beau ça, putain. Un truc de fou ici, frérot. Ok. Là, c'est un bouclier. Là, on ne peut pas y aller. Là, on a une grue. Superbe. Cela m'attriste de voir le terre de Sigrun en si piteux état. Si tu souhaites visiter ton royaume, Mimir, tu risques malheureusement de ne pas apprécier tout ce que tu trouveras. Ainsi, elle en a aimé un autre avant moi. Il est de pires choses à découvrir que celles que l'on aime. Je ne peux te contredire. Ok. Herbe, hop, un coffre gratuit. Ça c'est fait. Pour l'instant les nouvelles sont très très bonnes, les amis. Ok. Maintenant. Un oiseau de plus dans l'arbre. Ok, superbe. Qu'est-ce que c'est que ça? Superbe. Il y a beaucoup trop de choses partout, c'est terrible. Parfait. Procédons ainsi. Ah, Sigrun. Elle a rejeté pouvoir et richesse pour répondre à l'appel des nobles Valkyries. Tu la mets vraiment sur un piédestal. C'est à cela que servent les piédestaux, non? À élever les vertueux. Ok. Évidemment deux. Le retour. Comment tu veux que je pète la gueule d'un mur, putain? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je suis censé faire là? Je vais pas péter la gueule du mur, les gars. Elle n'a pas l'air de pouvoir traverser la roche. Ok. Ah ouais. Ok. Super. En plus, c'est des énigmes assez faciles en vrai. Hein. Et plutôt cool. Hein. Ah, y a plus rien en bas. Ok. Allez, on remonte. Let's go. Et là, on peut traverser. On a, je pense, la clé de notre quête. Juste là-haut. Peut-être ces runes pourront-elles nous éclairer. Impossible. Et pourtant. Oh, Mimir. Allez. On se régale, les amis. On se régale de fou. Regarde, l'autre. C'est quoi ça?
Pouah. Ça, je veux prendre ça. Et tu sais quoi, j'ai même l'amélioré. Moitié de la clé de la chambre forte. Et ben voilà. Voilà, on va pouvoir terminer, ça va être incroyable. Maintenant que la clé est reconstituée, nous devrions retourner au trésor. Nous verrons quelle richesse il renferme. Allez. Et on va même pouvoir finir cette petite zone au calme, je pense. T'es loin, Mage, sa mère. Ok. On se régale, hein. Oh là là là, ce jeu est tellement satisfaisant. Ah, j'adore, j'adore. Qu'est-ce que c'est? Wow! Elle est folle ou quoi? Putain, je me suis chié dessus! Ok. Attendez, hein, je crois que c'est pas fini. Il y a d'autres petites dingueries là, non? Ici, là, regardez. Voilà, moi, le moindre petit coffre. J'ai le flair et j'oublie rien, les gars. Je l'ai! Viens maintenant! Bon, elle m'a retiré beaucoup de vie et ça j'ai le seum, mais bon, c'est pas grave, c'est ok. Allez, viens, on se casse, Freya. Putain, tout ça pour ça. Je crois qu'on a fouillé toute la zone, on est très très bien, on est même Gucci. Let's go! Les épisodes étaient totalement fous. Ok, hop, on se casse. On a l'autre partie de la clé. Le roi Helgi a massacré sa famille car il ne pouvait être avec elle. Seul son frère, le prince Dagger, a survécu pour tuer le roi fou. Sigrun et son frère ont eu un désaccord à ce sujet. Oh, malgré tout le temps que nous avons passé ensemble, Sigrun ne m'a jamais parlé de cette histoire. Peut-être qu'elle aimait la manière dont tu la voyais. Eh ben écoutez les amis, direction la suite de notre incroyable quête. Et je pense que ça va être totalement fou. C'est la dernière quête secondaire du lac des Neufs. Après, on va pouvoir tout simplement continuer notre quête principale. Ces petits moments, ces petites fouilles de monde ouvert. À chaque fois, je me dis, ah putain, ça va être chiant. Mais franchement, à chaque fois, c'est trop bien. La sagesse, la magie. Suffisamment de patience pour vous supporter. Non, j'allais dire la hargne. Oui, aussi. Voilà le trésor de Fjotorlund. Entrons dans la chambre forte. Ah. Fallait que je me gare parfaitement au mauvais endroit et ça, c'est beau. Les amis, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On va ouvrir la chambre forte. Attends, c'est le trésor, donc normalement, c'est juste la récompense. On peut peut-être le faire là en vidéo. Je pense. C'est assez fou, non? Kratos! Ouais? Okay. Oh non, pas de...
What? Brûle, Kratos. Ça passera. Non, non, ça passera pas. Je vais mourir. Bien joué, bien joué. Beaucoup trop strong. Ok, 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 ok. Bien joué, bien joué. J'ai kiffé. J'ai kiffé, tu m'as fait rêver, mon rêve. Mais non, pourquoi je fais cette esquive? Enfin, je me déteste. Oh là là. Ta corporelle, oh, superbe. Oh. Ok. Ici repose le prince Dagger. Je n'arrive pas à croire qu'il est toujours là. Prince Dagger ? Ce corps est celui du frère de Sigrun ? Mais comment a-t-il pu finir ainsi ? Oh, y a quelque chose de fou là-haut. Freya, pourquoi tu ne me réponds pas ? Ok. On a notre échappée belle. Es-tu certain de vouloir lire ça ? Non, mon frère. Fais-le, toi. On dirait que Sigrun a maudit son frère pour avoir tué le roi fou. Non, vraiment. Elle ignorait qu'il avait assassiné toute sa famille. Lorsqu'elle l'a appris, il était déjà trop tard. Elle avait maudit son frère. C'est pour cela qu'elle a rejoint les Valkyries, pour expier sa faute. Tu savais tout de la famille de Sigrun, Freya, n'est-ce pas ? Il ne m'appartenait pas d'en parler. C'est drôle. Apprendre cela ne fait que renforcer mon amour. Elle m'a choisi malgré mes défauts, mes regrets. Je me sens plus proche d'elle en sachant qu'elle a les siens. Content de te l'entendre dire. Eh bien écoutez les amis, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, cet épisode était encore une fois fou. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Bye bye.